Ouais, mais seulement un mouvement de grève boy. Bon, ils ont dit que vraiment, c'est pas normal que nous ayons de grève sagesse étudiante. Mais sagesse, il faut un cycle secondaire et primaire. Mais on ne peut pas libérer les enfants, les mettre dans l'insécurité comme ça. Nous devons libérer les enfants parce qu'ils sont assez majeurs pour se gérer. Mais ça, c'est des enfants âgés de 7 à 12 ans. On ne peut pas les mettre dans la rue et les mettre directement face à l'insécurité. Donc, lors d'une côté, on préfère que nous marchions sur nos cadavres à ce que nous libérions. Allez, ça, on ne le fera jamais du tout. Maintenant, nous devons nous, on va tout de suite se parler entre enseignants et voir quelles solutions il faut apporter pour la sécurité des enfants. C'est tout simple. Mais nous avons dit bon, ce que nous c'est leur droit le plus absolu. Ils sont dans leur droit parce que chacun a le droit de gréver. Alors, donc, maintenant, il faut mettre les choses tuyaux. On ne peut pas faire la grève en détenant par devers soi des barres de fer et autres, des armes blanches. Parce que ça, c'est installer l'insécurité. Et là, on ne va pas l'accepter du tout. On ne l'acceptera pas. Parce que là aussi, on est là pour la sécurité de nos propres enfants. Parce que si nous sommes dans notre classe, bien qu'il y ait des gens, mais nous devons veiller à ce que nous devons faire une sécurité. Notre responsabilité est entièrement engagée. Donc, on ne va pas accepter que des gens viennent d'ailleurs de défendre une action de nous. On peut faire la grève calmement. Nous devons faire calmement. Mais si on y aurait des barres de fer et autres, on préfère sécuriser nos enfants. Ça, c'est clair. Merci, Abdoulaye. Merci beaucoup.